Station culturelle Momos, c'est le rendez-vous culturel de la rentrée lavalloise. La station se situe juste à l'extérieur du métro Montmorency, donc aux abords de la place Claude Léveillé. Donc, c'était pensé comme un lieu de vie verdoyant, accueillant, chaleureux, à taille humaine. L'idée, c'est de proposer aux visiteurs de se rassembler, de se divertir, mais aussi de découvrir toute une panoplie d'expériences artistiques et culturelles diversifiées. C'est un espace qui est très exposé au soleil, au vent, qui est traversé déjà tous les jours par des gens, mais personne s'y arrête. Et donc, on a conçu un espace qui se détaille en quatre zones. Il y a la zone feu, qui est la zone orange, qui est la zone de prestations culturelles. Donc, il y a une scène, un DJ booth, des gradins, vraiment tout ce qu'il faut pour venir regarder un spectacle. Puis, il y a la zone terre, qui est une zone de travail en plein air. Il y a de l'ombre, des prises électriques, du Wi-Fi. Il y a la zone R, qui est une zone de socialisation, détente et une zone pour casser la croûte, donc des tables à pique-nique, un comptoir de bar et breuvage. Et finalement, la zone O, qui est la zone ludique, avec un terrain de pétanque, des zones ombragées et des hamacs pour se la couler douce. Notre objectif, c'est vraiment de créer un arrêt pour tous les Lavallois et Lavalloises. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi vraiment d'investir ce grand terrain vacant et d'y déployer un aménagement quand même assez conséquent qui marque l'imaginaire et qui a vraiment un réel impact. C'est quand même un bon défi d'habiter un si grand espace. Il a fallu imaginer quelque chose avec du volume. On est venu suivre la ligne de désir que les gens empruntent déjà puis en faire un chemin de bois. Livraison de bois, de terre. On a collaboré avec la Ville de Laval pour avoir des plantes aussi qui soient le plus possible à maturité puisqu'on est à la fin de l'été. Puis c'est plusieurs jours donc de montage qui se sont succédés. En marge de tout le concept d'aménagement, il était très important de développer une programmation pour que la place prenne vie. Donc on va retrouver du cirque, de la danse, de la musique, de l'humour, des DJ sets. L'idée, c'est vraiment que ça touche aussi toutes sortes de publics. En tout temps, sur le site, on retrouve une multitude d'activités. Un piano public en libre service, une zone ludique avec des jeux plein air à disposition, aussi une œuvre ludique et participative Marche, Marche, Danse. La station Momo, c'est vraiment à voir. D'abord, ça frappe l'imaginaire. On est parti de rien, d'un terrain très aride à un site avec de la hauteur, de la couleur, du vent, du soleil, des plantes qui peuvent accueillir des centaines de personnes. C'est une invitation à venir vivre de manière différente le centre-ville, de se rassembler entre amis, de venir découvrir une multitude d'expériences culturelles et artistiques, et ce jusqu'au 1er octobre.